Et yo tout le monde, c'est Poképlay, j'espère que vous allez bien. Moi ça fait super, aujourd'hui on se retrouve pour ce 20ème épisode de Pokémon vs Platine. Mais avant de commencer, j'aimerais faire la mise au point sur les commentaires qu'il y avait eu sur les précédents épisodes. LOL, je veux la vraie mise au point. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, la mise au point pour l'épisode, j'ai reçu des commentaires de quelques personnes qui m'ont dit, alors surtout une personne que je ne citerai pas, qui m'a dit que mes épisodes c'était de la merde et tout. Donc j'aimerais mettre les choses à plat en te disant que tu aimes ce que tu aimes, moi j'aime ce que je fais. Et que voilà, donc la personne qui a fait ça, je l'ai bloqué, hein, naturellement, parce que je ne l'aime pas et parce qu'elle est très méchante. Et donc voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, c'était la mise au point. On peut passer à l'épisode. Donc la dernière fois on avait été voilà, on avait notre belle équipe plutôt sympathique. Et on avait notre œuf. Œuf que je n'ai pas ajouté au layout. Donc bah voilà, hein, c'est fait. Donc là on va se rendre à la bibliothèque de Joliberge. Donc écoutez, c'est parti. Quelle traîne ça va, allez dépêche-toi un peu. Bon, ok, on peut monter à l'étage. Chose plutôt logique. Hop. Aïe. Ah, yeah. Salut Lucas. Hey, par ici. Voilà Pépé. J'aime Lucas comme convenu. Allez, je mets les voiles. Ok, je vois. Tout le monde est là, Lucas, écoutez-moi, vous avez peut-être oublié, mais j'ai étudié l'évolution des Pokémon. Mais plus j'étudie et plus le mystère s'épaissit. Certains Pokémon évoluent et d'autres pas. Je suis pas la voix du vieux hein, parce que c'est chiant. Qu'est-ce qui les rend si différents les uns des autres? Sont-ils des êtres imparfaits forcés à évoluer pour survivre? Et si c'est le cas, que penser des Pokémon légendaires qui n'évoluent pas? Doit-on en déduire que les Pokémon légendaires sont parfaits? C'est là que vous entrez en jeu. On dit que les Pokémon Mirage vivent dans les trois lacs de Sinnoh. Si nous pouvions obtenir leurs données, nous pourrons peut-être faire face à la lumière sur l'évolution des Pokémon. C'est un travail titanesque, j'aurais besoin d'aide de chacun d'entre vous. Aidez-moi à trouver ces Pokémon que l'on considère comme des mirages. Mais une minute, je n'ai pas eu de Pokédex moi. À qui la faute? C'est toi qui as quitté le labo sans me laisser le temps de te donner un Pokédex. Mais peu importe, voir les Pokémon de tes propres yeux contribue aussi au développement de tes talents dresseurs. Je n'y manquerai pas. Et puis ce sera bon pour mon Pokédex. Lucas, tu viens aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? C'est une chance que j'ai besoin de tout le monde. Bref, il y a trois lacs. Le hasard veut que vous soyez trois. Par conséquent, vous allez vous séparer pour visiter un lac chacun. Aurore, tu iras au lac Vérité. Bien reçu. Quentin, je veux que tu aies enquête sur le lac Savoir. C'est loin d'ici, quasiment à Frimapic. La route ne sera pas facile, il faudra être un sacré dessert pour y arriver. Pas de problème Pépé, tu me connais. Tu sais bien que je suis le meilleur. Et tu sais quoi, j'avais justement l'intention d'attraper ces Pokémon pour toi. Je peux te remercier de nous avoir donné le premier Pokémon sur la route 201. Même si je viens juste de m'en souvenir. Très bien, je compte sur vous. Ainsi donc Lucas, il ne te reste que le lac Courage. Je se trouve entre Volaroque et Verchamp, si ma mémoire est bonne. BOUM. Voilà, le tremblement de terre, hein, je le savais de toute façon. C'est fini? Personne n'est blessé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La télé, allumez la télé, les infos, faites quelque chose, n'importe quoi. De la fumée, très bien. C'est vraiment beau, hein, la fumée. D'accord. La vidéo que vous venez de voir a été enregistrée par un témoin sur place. Impressionnant. Qui sait ce que pourrait être révélé après cette explosion au lac? Pépé, ils ont bien dit que c'était une explosion. Mais pourquoi au lac Courage? Sortons, je m'inquiète pour la ville. Prudence en descendant les escaliers, les enfants. Ok. Je crois qu'il va falloir nous séparer, les gens, et que... Lucas, tu devrais partir maintenant. Cependant, il pourrait y avoir des répliques. Reste sur tes gardes. D'accord. Et tu dis quoi, madame, toi? D'accord. Un tremblement de son imagination. Bon, allez. Descendons. Si je me prends pas tous les murs. Ok. Ah, mais décidément. Et voilà, on sort. Cette secousse ne l'avait rien de naturel. Hey papy, les enfants, vous avez entendu ça? On raconte qu'il y a une énorme explosion, la courage, mais il paraît que tout est rentré dans l'ordre, beaucoup de bruit pour rien, j'imagine. Ok. Pépé, j'y vais, j'ai un mauvais pressentiment. Ce Quentin, il ne tire pas en place, Lucas, je n'aime pas m'imposer, mais j'ai besoin de toi, la courage. Il y a forcément quelque chose qui cloche après une explosion pareille. Quand savoir de quoi il s'agit, c'est une autre paire de manches.
Avant que tu partes, je t'avertisse. Ne prends pas des risques inutiles. Bon, eh hey, merde. Voilà. Allez les gens, c'est parti, on peut y aller. On peut voler. Vol. Alors, on va voler à Verchamps parce que c'est le plus près. Écoute, on va accélérer. Ok, on a Verchamps. On va vers l'est. Attends, on va aller un peu plus vite là. Parce qu'écoutez, la situation est plus que pressante. Plus qu'importante, hein, la situation est très délicate. Donc il faut se diriger vite vers le lac Courage. Saloperie de mur. Si je me rends pas les dresseurs, c'est bon. On passe la porte. On passe la porte. On monte l'escalier. On tourne à droite. Non, on sort de là-dedans. On tourne à droite. Normalement, c'est là. Hein. La Courage. Ah, la musique de la Team Galaxy. Quelle coïncidence! Ah, prochain arrêt, le lac Vérité, la ville la plus proche, c'est ce trou qu'on appelle Bon Augure. Et ta gueule, j'y viens. On n'y rencontre pas la moindre résistance. Et toi là, hein, j'ai un mot à te dire. Ah, connard. Putain, mais c'est pas possible, ils ont tué tous les Magikarp. Ah, bah enfin, dresseur. On a déclenché la bombe Galaxy, sa puissance était dévastatrice. Allez. Ok, Nosferatu niveau 37, tortue. Allez, vas-y, tortue, tu peux le faire. Ok. Très bien, je peux pas m'échapper. Ok, ça passe. Très bien. Ok. Je vais juste si ça enregistre. Ok, ça enregistre parfaitement. Nickel. Nickel, les gens. C'est bon. Je vais devenir en du chef pour avoir défié la Team Galaxy. Quatre, putain. Ok, niveau 45. Machouille, oh yes, on va la prendre la place de morsure. Oublié. Tain. Nickel. Malos. Ça peut faire plutôt mal. Hein. Allez, machouille. En relégeant, désolé. Ah, j'ai été interrompu par un événement très très important qui était un message. Et du coup, voilà. C'était la vie de Lucas. C'était très palpitant d'ailleurs. Ok. Moufouette KO. D'accord, ok, c'est bon ça. Shaglam. Shaglam. Shaglam, on lui fait éclatroc. Ok, c'est bon. Ok, Shaglam est mort. Je pense qu'on va arrêter l'épisode après juste là parce que j'ai pas trop le temps. Parce que j'ai une soirée juste après. Enfin, une soirée. J'aimerais bien être un peu avec mes parents, voilà quoi. Hein. Donc, je vais essayer de rentrer directement dans la grotte, c'est bon. Histoire de battre Saturne. Ok. Je regarde ce visage. Ok, très bien. Plus Jupiter, machin. Ok. Combat Galaxy, normalement c'est Saturne, hein. Si mes souvenirs sont bons, c'est Saturne, c'est bon. Nosferatu, ok les gens, c'est parti, on y va, ok. Donc, là on va lui faire séisme. Séisme, c'est... là je me rapproche du micro, je sais pas pourquoi, mais ça m'amuse. Très bien.
Ah non 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 non. Ok. Ok. Ah putain, il va me tuer. Ah non, 4 PV c'est bon. Ah, je vais pas aller loin avec 4 PV, j'oublie. Bon. Ok, ne s'arrête pas, okay, ça c'est une bonne chose. On va vite changer les gens, on va vite changer, on va vite changer, on va vite changer. Parce que là, c'est une situation plus que critique les gens. Là on envoie le vol, ça c'est bon. Alors, Archéomir. Relégende, désolé, c'est encore coupé là, parce qu'on m'a appelé, il y a, tu sais, vous savez, les numéros de pub. Les pubs 01 là, qui n'arrêtent pas d'appeler. Du coup, j'étais à mon téléphone, comme ça je suis tranquille pour faire ce combat. Et pour juste du coup finir l'épisode. Hein. Donc là, on fait retour. Allez, voilà. B. Quatox. Quatox, je vais faire vol là. Ok, Vendetta, ça c'est cool, il veut pas le faire du coup. Vol, il est quand même niveau 40. One shot. Ça c'est cool. Herb super efficace, nickel. Et voilà, on avait du commandant Saturne. C'est parfait. Ok. Et bah voilà les gens, on a terminé avec cet épisode de Pokémon Arceus Platine. Le 20ème, il aurait été certes plutôt court, mais bon, je suis désolé encore. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un commentaire. Le prochain épisode sera beaucoup plus long, je vous l'assure. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un commentaire. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, merci pour les 83 abonnés, ça fait hyper plaisir. Et bye tout le monde.